Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo de présentation, une vidéo que je vous avais promise déjà il y a un petit moment sur un tarot. Donc c'est le tarot Rider-Waite, en tout cas mon tarot Rider-Waite. Voilà, aux éditions donc Guy Trédaniel de Rachel Pollack, celui-ci, illustré par Arthur E. Waite et Pamela Coleman-Smith, et c'est dans la collection Bibliothèque des oracles. Voilà. Donc c'est un coffret. Voilà, c'est un coffret conséquent. Hein, voilà, qui est de la taille d'un livre, je pense. Alors, le dos est. Voilà. Il est à 23,95 € et franchement, il les vaut. Voilà. C'est un très bel objet. Donc, évidemment, il faut que ça me gratte. C'est pas grave. Le livre, je vais vous montrer le livre. Donc voilà, c'est un vrai livre qui est bien grand. C'est pas, pour moi, c'est vraiment un livre, c'est pas un livret. Hein. À l'intérieur, vous avez. Alors, avant de vous montrer ça, je vais déjà vous montrer. Vous avez une table de matière. Voilà. Je vous dis, c'est un très bel objet. Hein. C'est vraiment. C'est magnifique. Les illustrations sont très jolies. On a la femme, il me semble que c'est la femme qu'il y a sur la carte du monde. Et puis on a le fou. On a une préface. Bon, elle est un peu longue. Hein. Voilà. On a donc tiré les lames de tarot. Voilà. En point. Donc enveloppez vos lames dans un foulard de soie ou conservez-les dans une boîte de bois ou en argent. Moi, je les ai laissés dans le coffret. Voilà. Ensuite, point numéro 2, vous êtes la seule personne à manipuler les lames. N'achetez pas un jeu de tarot, quelqu'un doit vous l'offrir ou vous devez le voler. Non, je l'ai acheté. Hein. C'était le point numéro 3. Point numéro 4, asseyez-vous toujours en face du consultant. Bah oui, mais. Quand on pratique par. Celui-là, je ne l'utilise pas. J'utilise le normand pour les consultations. Mais bon, quand je le fais pour moi ou pour mes proches, voilà. On est assis l'un en face de l'autre. Hein, c'est toujours mieux. Point 5. Soit que vous considérez toujours les cartes renversées, soit que vous ne les utilisez jamais en renversé. Mais faites un choix selon ce jeu. Moi, ça dépend, en fait. C'est comme je le sens. Voilà. Si. J'ai commencé par ne pas les utiliser en renversé, et puis maintenant, de temps en temps, en fait, je les utilise en renversé quand ça parle, en fait. Voilà. Quand vraiment. Mais c'est vrai que avant de commencer, j'ai toujours une idée du schéma. Est-ce que je vais les utiliser en renversé ou pas? Voilà. Point numéro 6, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, vous voyez, c'est un très bel objet, mais je ne suis pas toujours d'accord avec les points. Il existe une façon correcte de mélanger les cartes. Non. Moi, je pense que c'est comme on aime. Après, ça, c'est des points. Après, il y a un petit texte en dessous. Là, je ne le lis pas, mais il y a un petit texte en dessous qui. Voilà, je vois celui-là. Il existe une façon correcte de mélanger les cartes. Certaines personnes suivent strictement les règles et insistent sur le fait qu'il n'existe qu'une seule façon correcte de mélanger les cartes. Comme toujours, il faut choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà. Donc, ces points sont là pour parfois être confirmés, parfois être démontés. Point numéro 7, il y a une façon correcte de retourner les cartes. Voilà, je pense que c'est comme on le sent aussi. Je pense que ouais, c'est pareil. Hein. Après, c'est vrai qu'on a tous et toutes, dans notre manière de tirer les cartes, une façon de retourner les cartes. Voilà, on a tous, ça vient naturellement, je pense. Et généralement, on ne change pas. Voilà. Point numéro 8, étaler les cartes sur un tissu plutôt que directement sur la table. Alors ça. Bah déjà pour une raison pratique, parce que sinon ça glisse clairement et on peut en faire tomber. Et voilà, c'est toujours un petit peu embêtant quand on fait tomber des cartes. Voilà. Mais je pense oui, c'est mieux d'avoir un tissu. Après, ça peut être une nappe, ça peut être un bout de drap, ça peut être ce que vous voulez en fait. Hein, ce que vous voulez. Point numéro 9, donc vous devez connaître par cœur toutes les significations des lames avant de pouvoir commencer la consultation. Bah, c'est toujours plus simple. Mais après, la signification générale, on peut avoir l'idée, vous voyez, l'idée générale de ce que veut dire la carte. Mais après, je pense qu'il faut se laisser aussi parler l'intuition. C'est quand même, à mon sens,
Si on tire les cartes pour débiter ce qu'il y a dans le livret qu'on a lu, qu'on a appris par cœur, ça ne sert à rien. À mon sens, il faut vraiment se laisser porter par l'intuition et se laisser porter par ce que le tirage nous raconte comme histoire. On peut avoir une même carte, dans deux tirages différents, elle ne voudra pas dire la même chose. Voilà. Point numéro 10, ne consultez pas les cartes par vous-même. C'est une croyance générale qu'une cartomancienne ne doit pas. Voilà. Moi, je pense qu'on peut, mais par contre, attention à ne pas, et j'en suis la première à faire cette expérience, à ne pas y voir que ce qu'on a envie d'y voir. Voilà. Quand on a l'habitude de tirer les cartes aux autres, on met une barrière et on arrive à distinguer. Voilà. Quand on se tire les cartes à soi, évidemment, c'est notre problématique, donc on l'a dans la tête, ça nous ronge. Ça nous prend la tête, sinon on ne se tirerait pas les cartes pour y voir plus clair. Et du coup, on peut avoir tendance à y voir ce que l'on a envie d'y voir. Voilà. Point numéro 11, ne posez pas de questions sur une personne absente et sans son accord. Ça, c'est pour moi, c'est juste une question de respect. Dans les consultations, quand on pose une question sur l'autre, je vais regarder par rapport à la ou le consultant. Voilà. Quel est le lien, quel est le rapport avec lui? Je n'irai pas faire un tirage complet, une consultation complète sur quelqu'un qui ne sait même pas et qui n'est peut-être pas d'accord avec ça. Voilà. Donc voilà, c'est une question de principe, j'ai envie de dire, on n'a pas tous les mêmes. Voilà. Ma vision, c'est que oui. De toute façon, dans un tirage, si on est marié et qu'on a des problèmes de couple et qu'on appelle pour ça, évidemment que voilà, dans la guidance, je vais percevoir les énergies de l'autre. Ou dans un tirage pour une problématique particulière, je peux voir un blocage par rapport à un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un ami, peu importe. Mais toujours en rapport avec le problème du consultant. Voilà. Ensuite. Point numéro 12, il faut être clairvoyant pour interpréter les cartes. Vaste sujet. Moi, je pense que certaines personnes qui n'ont pas forcément de don de clairvoyance peuvent avoir un lien particulier avec un jeu de cartes. Voilà, ça peut être le tarot, ça peut être le petit Lenormand, le grand Lenormand, un oracle de Béline ou de G. Du Verseau, bleu, enfin peu importe. Il y en a des tonnes. Hein. Mais c'est pas pour autant en fait qu'on aura des dons, pour moi, enfin des dons. Non, j'aime pas. Des capacités en fait de médiumnité, que ce soit clairvoyant, clairaudient, voilà, peu importe. Hein. Il y en a aussi des tas de noms pour plein de capacités. Mais ce que je pense, c'est qu'on n'est pas obligé. Pour moi, on n'est pas obligé. Il y a certaines personnes qui ont juste une affinité particulière, un lien particulier avec le jeu et qui auront des ressentis. De toute façon, on a tous des capacités, en vrai. En vrai, on a tous des capacités. Une intuition très développée, peu importe, peu importe. Mais pour moi, en fait, dire qu'il n'y a que les médiums qui peuvent tirer les cartes. Parce que en gros, c'est ce que sous-entend ce point, et je pense qu'elle le développe de cette façon-là. Je pense que non, en fait. Je pense qu'il ne faut pas se mentir et que il y a des cartomanciennes qui n'ont pas de capacité à proprement parler de médiumnité, c'est-à-dire qui n'entendent pas, qui voilà, mais qui ont un lien et une intuition par rapport à ce jeu, une lecture qui, de toute façon, rejoindra les personnes qui ont voilà. Qui ont une capacité peut-être plus développée dans plus de domaines. On va dire ça comme ça. Voilà. Point numéro 13. Le consultant ne doit pas vous révéler ses questions. Je dirais oui et non, en fait. Je dirais que pour créer un lien de confiance avec le consultant, je pense qu'il faut. Comment dire? Je pense qu'il faut toujours faire un tirage d'ordre général parce qu'il y a des choses qui vont ressortir que le consultant ne pensera pas forcément à demander comme question. Et du coup, on ne le verra pas s'il pose ces questions tout de suite. Enfin, si on ne s'attarde, on va dire. Si on ne s'attarde que sur ces questions, il y a des problématiques qu'on ne verra pas et du coup, le lien de confiance peut être altéré, on va dire.
Mais je pense qu'il est nécessaire de poser des questions et qu'il est nécessaire d'avoir un dialogue avec le consultant parce que, alors moi, dans mon cas, je parle parce que c'est pas vraiment de la voyance, c'est de la guidance énergétique, même si on va pas se mentir, il y a des événements d'ordre divinatoire que je peux voir et que voilà. Mais on va s'attarder sur le côté, enfin, moi en tout cas, je vais essayer de m'attarder sur le côté gestion de nos propres émotions et de nos propres sentiments et de nos. Voilà. Dans notre psyché. Donc oui, je pense que à la fois il faut poser des questions et à la fois il faut pas rester bloqué sur les questions. C'est surtout ça, parce que quand on n'est que sur des questions, parfois on peut rester bloqué là-dessus. Voilà, et ne pas voir d'autres choses qui seraient tout aussi importantes pour débloquer certaines choses dans la vie du consultant. Alors, comment fonctionne le tarot? Alors j'aime beaucoup la réponse parce que du coup c'est pas vraiment, enfin c'était une question mais c'est pas vraiment, voilà. La première phrase qu'elle écrit c'est la réponse est simple, personne ne le sait. Voilà. Pour moi comment fonctionne le tarot? Ben, comme beaucoup de jeux de cartes, il fonctionne au lien. On a un lien ou on l'a pas, on développe un lien ou on le développe pas et c'est pas grave, ça nous parle ou ça nous parle pas. Et comment savoir s'il nous parle? Ben, parce qu'à force de, alors c'est pas tout de suite hein. C'est pas j'ouvre la boîte, je regarde les cartes et oh, je sais tout de suite! Non, c'est qu'on commence à travailler avec et puis on sent un lien qui se crée ou pas, on sent une affinité particulière ou pas, et c'est pas grave. Et ça veut pas dire qu'on n'aura pas un autre lien ou qu'on n'aura pas une autre affinité particulière avec un autre jeu. Voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc, questions et propos des consultants. Alors, je vais vous lire le petit texte parce qu'il n'est pas long. Pour consulter les cartes, on utilise en général un certain schéma de questions, c'est vrai, nommé méthode de tirage. On en a toutes, au moins une, parfois plusieurs, moi j'en ai plusieurs, hein. Pour cela, un nombre déterminé de cartes, d'une ou toutes les cartes du jeu, est nécessaire. Certains tirages ont été conçus pour des thèmes particuliers, par exemple pour les relations, le développement spirituel ou le travail. Cependant, la plupart des tirages suivent un sens général. Oui, c'est vrai. Et nous les adaptons à chaque situation. Si par exemple une femme souhaite savoir comment trouver son âme sœur, là je toque, là je tique plutôt, je tique là. C'est l'âme sœur pour moi. Ça fera peut-être le sujet d'une vidéo, mais pour moi l'âme sœur c'est un concept surfait. Voilà, pour moi l'idée qu'une âme serait du coup sœur de la mienne. Dans ma conception des choses, soit l'âme, enfin la personne, bah oui, l'âme que j'ai en face de moi, finalement, on peut faire partie de la même famille d'âme, ou faire, voilà, être peut-être même un bout de la même âme, mais âme sœur, pour moi, ça signifie en gros que on serait pareil. Voilà, tu voyais qu'on serait, c'est comme les flammes jumelles, c'est un terme qui m'exaspère au plus haut point, parce que pour moi, même si on fait partie de la même âme, on a une essence qui est la même, évidemment, mais des subtilités qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, pour moi, cette idée de flammes jumelles, flammes miroirs, etc., ça voudrait dire qu'on est exactement le reflet de l'autre, et pour moi, il n'y a personne. Et ce serait oublier aussi que... Notre âme, bien sûr, s'incarne dans notre corps, mais que notre corps a sa propre individualité. Voilà, et sa propre, dans notre incarnation, le libre arbitre et la vie qu'on a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, on a été coupé. Alors, pour une fois, c'était pas par mon téléphone, mais par mon quotidien et les gens qui m'entourent, mais c'est pas grave, hein. Donc, j'en étais au principe de l'âme sœur, flamme jumelle. Pour moi, il y a quand même une notion assez floue. J'ai l'impression que ce sont des termes un petit peu fourre-tout. Du coup, on reviendra dessus parce que voilà, il y a un truc en fait qui me dérange dans ces idées-là. J'attends réellement de savoir quoi, en fait. Même moi, je ne suis pas certaine de savoir ce qui me dérange là-dedans. Mais il y a un truc qui vibre pas bien. Voilà. Donc je continue. L'une des questions les plus fréquentes au début du XXIe siècle, nous choisissons donc un tirage simple par rapport à cette question justement de trouver son âme sœur, constitué d'un passé, du présent et de l'avenir, et nous adaptons alors sa question au tirage de la façon suivante. Donc le passé. Pour la carte du passé, ce sera quelles expériences amoureuses du passé ont conduit à la situation actuelle? Voilà.
pour le présent, ce sera que doit-elle regarder, elle ou il, hein, de toute façon. Bon, là, c'est elle, hein, parce qu'on parle d'une consultante, donc désolé, messieurs. Donc, que doit-elle regarder en elle pour que la voie vers l'âme sœur soit libre? Quelle proposition amoureuse a-t-elle à ce moment-là, à ce moment précis? Et donc pour le futur, que va-t-il probablement se passer si elle reste dans la même situation que la situation actuelle? Alors, ces questions pour... Je lis, hein. Ces questions, et particulièrement la dernière, ouvrent le chemin vers d'autres thèmes. Si la carte indique un avenir pessimiste, elle peut être complétée par une autre question. Qu'est-ce qui peut changer en cette femme qui lui permettrait d'avoir une relation satisfaisante, par exemple? Parfois, nous devons aider les consultants à reformuler leurs questions. Ça, c'est vrai. On n'est pas obligé justement de leur demander de reformuler en leur indiquant non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, on peut le faire de façon plus, je dirais, plus subtile, avec des mots-clés, voilà, qui leur permettraient peut-être de voir la problématique d'un angle différent. Le thème de l'âme sœur est souvent formulé de façon suivante. Quand vais-je rencontrer mon âme sœur? Cette question appelle deux conditions irréalistes. La première serait que le conseiller soit clairvoyant et qu'il donne la date exacte ainsi que le lieu de la rencontre. C'est pas possible. La date exacte, l'heure, etc. Voilà, le lieu, oui, on peut voir si c'est plutôt en extérieur, si c'est plutôt à l'étranger, au travail, mais bon, ça sera jamais à tel endroit de la pièce. Non. La deuxième condition serait que le consultant refuse de s'investir afin d'évoluer. Renforcer la question telle que je l'ai indiquée auparavant dans mon exemple permet d'obtenir de meilleurs résultats. Ça, je suis d'accord. Il existe une autre possibilité pour tirer les cartes, transformer les propos des consultants en questions. Ça m'arrive assez régulièrement. Par exemple, pendant une consultation, une femme raconte, j'ai le sentiment de traîner dans ma vie, je ne sais pas ce que je veux, j'aime mon travail, mais parfois j'aimerais le quitter et partir, pourquoi pas en Italie, mon mari est un homme bien et je crois qu'il m'aime, mais je ne suis pas sûre de l'aimer encore, notre fille vient de quitter la maison et je me sens renaître, dois-je reprendre des études, peindre, avoir une aventure amoureuse, aller dans un monastère? Je ne sais pas vraiment quoi faire. Si cette femme me consultait, je lui ferais mélanger les cartes et je lui laisserais tirer l'une après l'autre de façon suivante. La carte numéro 1 représenterait le sentiment de... Quel est le sentiment qu'elle traîne dans sa vie? Voilà. La carte numéro 2 ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà. Pourquoi elle ne sait pas ce qu'elle veut? Quelles sont les racines de ces questions? Donc la carte numéro 3, bon, elle aime son travail, mais... Voilà. La carte numéro 4, démissionner. La carte numéro 5, partir en Italie. Voilà. Qu'est-ce que ça a à nous dire? La carte numéro 6, son mari, un homme bien, mais voilà. Qu'est-ce qui fait que? La carte numéro 7, pourquoi elle pense qu'il l'aime? Et la carte numéro 8, pourquoi elle n'est pas sûre de l'aimer? La carte numéro 9, enfant a quitté la maison. Bon, ok. Qu'est-ce que ça fait renaître? Voilà, donc avec la carte numéro 10, qu'est-ce que ça fait renaître? La carte numéro 11, reprendre des études. Oui, non, qu'est-ce que ça rapporterait ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est juste une idée en fait? La carte numéro 12, peindre. Bah, pourquoi pas, hein, mais voilà, qu'est-ce que ça peut apporter? La carte numéro 13, aventure amoureuse. 14, monastère. Et 15, confusion, etc. etc. J'ai une mouche qui ne veut pas me laisser tranquille. Possible, ça. Après, on a des exemples de tirage. Donc, on a le tirage avec deux lames. Donc, avec le moi. Je vais essayer de... Hop. Le moi et le toi. Voilà. Ensuite, encore des exemples de tirage. Voilà. Là. Le tirage de la porte. J'aime bien celui-ci. Le tirage donc du corps. Alors, le corps, il est particulier parce que c'est un tirage, voilà. Les cartes ne sont pas représentées, mais
bien les parties du corps. Et la fameuse croix celtique que j'aime énormément. Je pense que c'est mon tirage préféré et que ces cartes s'y prêtent vraiment très très bien. Avec bien sûr toutes les significations, voilà, des 10 cartes qui composent la croix celtique. Ensuite, nous avons donc les arcanes majeures. Alors, je vous montre, voilà. Donc là, on a le mât ou le fou, hein, comme on l'entend, la carte zéro, avec la signification de la lame qui est là. Voilà, donc c'est quand même un grand texte. Hein. On a aussi en dessous un petit. Voilà. Ah non, c'est tout. Donc c'est toute la signification de la carte. Voilà. Voilà, j'ai cru qu'il y avait un. Et derrière, donc ça continue un petit peu. Et on a le tirage du fou. Voilà. On a le tirage du fou avec la problématique. Voilà. Et on peut tirer cette carte autour du fou et voir ce que ça nous dit. Mais elle m'agace cette mouche. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Là où je pense que c'est un très bel objet, à mon sens, c'est que parfois, entre. Alors là, je cherche, mais entre les lames. Voilà. On a le tirage de l'amoureux. Voilà. On nous montre un petit peu comment placer les cartes. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a des tirages qui sont distillés un petit peu partout. Voilà. Sont un peu distillés dans vraiment un petit peu partout et avec des petites astuces d'interprétation avec des voyez là on a la roue de la fortune donc voilà la roue de la fortune et on a un tirage alternatif en plus du tirage proposé quoi on a un petit tirage alternatif autour de la roue de la fortune du coup je trouve ça super. La justice, voilà, pour les problématiques plus officielles, on a un tirage très intéressant, le tirage du pendu. Voilà, très intéressant. Voilà, donc je regarde bien s'il n'y en a plus d'autres. Moi, c'est franchement. Ah, celui-là, oui, j'ai oublié. Le tirage, on a deux tirages pour le diable aussi. Voilà. Je dis, c'est pas, pour moi, c'est un livre. C'est pas un livret. C'est vraiment dans la boîte, on nous vend en même temps un livre. Voilà. Donc, évidemment, moi, pour le prix, honnêtement, pour le prix, j'ai envie de vous dire. Là, on a encore un tirage. Alors, celui-ci, c'est avec. C'est quoi cette carte déjà? Oui, le jugement. Donc moi franchement je regrette pas du tout mon achat, le tirage du monde. Je regrette pas du tout mon achat parce que vraiment c'est des belles cartes. Alors pour les arcanes mineures, on a par exemple pour les bâtons, donc on a la carte, toujours en couleur, et ça c'est quand même vachement appréciable. Voilà. On a donc un texte voilà, de signification d'ordre général de la carte. On a la signification de la carte droite et on a la signification de la carte renversée, des mots-clés. Voilà. Et c'est comme ça pour toutes les cartes, pour toutes les arcanes mineures. Voilà. On a tout ça. Donc on a. Par contre, c'est pas. C'est. Voilà, les bâtons, les coupes. Oh, les deniers. Et les épées. Voilà, normal. Hein. Et ensuite, à la fin. Voilà, donc on a. Des notes de l'éditeur, positivées avec la fatalité. Voilà, on a des petits points comme ça qui sont développés, qui sont pas trop mal, je trouve, hein. Les oracles sont comme un miroir, évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va refléter notre capacité en fait à capter ou pas les énergies du moment pour ceux qui travaillent. Enfin, de toute façon, les cartes travaillent avec les énergies, mais. Voilà, ça c'est un miroir et du coup quand on n'est pas bien, on ne tire pas. Voilà. On passe aux cartes, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même. Donc dans le coffret, donc le dos, il est tout bateau, hein, par contre. Hein.
Lui, tout va tout. On a donc une petite carte comme ça qui nous parle des garanties de jeu, etc. On a une sélection de tarot, Rider-Waite, avec des dimensions. Voilà, c'est bien parce qu'on a les dimensions des cartes. Ensuite, normalement il est dans l'ordre. Donc, on a lacet. Si je mets le micro là, voilà, c'est mieux. Donc, le battleur. Je pense que ça va couper à un moment, mais bon. La papesse. Le battleur, je vous le montrerai plus. J'ai mis le fou en dernier. Parce que j'aime bien mettre le zéro en dernier, en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire non, il est en premier, mais moi, j'aime bien le mettre en dernier. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Faites pause. Hein. Parce qu'il est long, alors je veux pas non plus. Il est 78 cartes. Et comme j'ai déjà fait une intro assez longue. Voilà. Le chariot. Elle est en forme, cette mouche. La force, j'aime beaucoup cette carte. Elle est la femme est d'une placidité, confiance en elle et elle sait qu'elle va maîtriser quoi. Donc j'aime beaucoup. L'ermite. D'une manière générale, ce jeu pour moi a été un. Voilà. J'avais vraiment 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 envie de me l'offrir. La roue de la fortune. Avec cette ambivalence. Pour moi, avec cette ambivalence, on dirait le diable, en fait. Vous voyez, on dit la roue tourne. Ben, en fait, c'est comme si, voilà, oui, la roue tourne. Avec le bien, des fois moins bien. Voilà, le serpent qui pourrait représenter la vie, la maladie. Le sphinx, notre capacité voilà, à vaincre les choses, la force qu'on a en nous. Et le diable, notre stress. Voilà. Après, le serpent, la maladie, mais aussi la santé, attention, hein. Voilà, avec comment dire, ces couleurs qui pour moi représentent vraiment tous les éléments. La justice. Le pendu. Qui est, je pense, à propos en ce moment. Qui est une carte importante en ce moment. La mort. Avec la mouche qui se pose sur mon jeu de cartes. La tempérance. Je dois avouer que je l'utilise pas énormément non plus. Je l'utilise, mais déjà pour moi en fait. Pour moi, pour mes proches, mais pas en consultation. Pas. Le diable. Je proposerai sûrement on va dire à partir de fin novembre, je proposerai dans mes consultations des taroscopes à l'année. Et du coup, là, peut-être que je l'utiliserai. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et donc, le mât. Le fou. Comme on veut. Là, c'est le mât. Ensuite, vous avez l'habitude, en fait, c'est mes tocs qui reprennent le dessus, il faut que je range. Donc, l'as de bâton, le 2 de bâton. Alors, je ne vais pas répéter à chaque fois, hein, vous avez compris. Hein. Mais
Pour moi, le Rider-Waite, enfin, personnellement, il me parle un peu plus que le tarot de Marseille. Peut-être grâce aux illustrations. En fait, ça me laisse plus libre, en fait, de mes interprétations et de mes intuitions, de ce que je ressens, en fait. Voilà, alors que tarot de Marseille, c'est vrai que justement, il est très épuré par rapport à celui-ci. Très épuré, et du coup, là, j'ai sûrement besoin de couleurs et d'images, en fait, pour faire travailler. Et pourtant, c'est jamais les mêmes émotions qui remontent. Mais ouais, je pense que j'ai besoin d'un support visuel pour faire travailler justement cette intuition. Même si comme ça, là, j'entends bien que plein de personnes se disent, bah ouais, bah, support visuel ou pas, moi ça me parle pas son truc, hein. Je peux comprendre. Bon, après, c'est vraiment un bel objet, hein. C'est vraiment. Et je pense que le livre est une très 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 belle béquille à mon sens. Ce livre-là est une très très belle béquille. Il est bien fait. Il n'y a pas de distance par rapport entre l'auteur et le lecteur. Elle a réussi à enlever toute cette distance qui peut y avoir quand on lit un livre où, voilà, entre la personne qui l'écrit et qui est censée être maître de son sujet. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que quand elle le voilà, elle peut dire, il n'y a pas de règles. Voilà, il n'y a pas de règles préétablies. Comment ça fonctionne? Et ben, comme on aime. Voilà, comme on sent. Et ça, j'aime bien. Ensuite, donc les coupes. C'est vraiment un objet que j'aime beaucoup. J'aime aussi le graphisme, on va pas se mentir, j'aime l'univers, l'atmosphère. Je sais pas si ça vous donnera envie d'acquérir ce jeu, ou peut-être que vous l'avez déjà, ou dans une autre version. Laissez-moi en commentaire, hein, vos impressions sur ce jeu. Est-ce que vous accrochez? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que pour vous, le tarot de Marseille est beaucoup plus parlant? Après, vous savez, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais de toute façon, comment on sent les choses? Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, sinon on achèterait toutes et tous les mêmes objets et ils pourraient pas avoir de comment dire, il pourrait pas avoir de, ça servira à rien en fait d'être dans la créativité à ce niveau-là, quoi. Donc moi je trouve ça plutôt sympa en fait. Donc les épées, mes toques, les épées en glace. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout le tarot, en termes d'idée générale, alors parce que je sais que si je précise pas que en termes d'idée générale, on va dire que les bâtons, c'est beaucoup plus le matériel, le concret, enfin le matériel non, le concret, voilà, le concret, j'ai pas d'autres mots, pour moi c'est tout ce qui est concret, voilà. Les coupes, c'est les émotions, les épées, c'est ce qu'on a à travailler, on va dire, à vaincre,
ou à travailler, les combats, etc. Et les deniers, c'est l'argent, voilà, c'est le matériel. C'est pour ça le bâton. Le bâton, ça va être le concret, mais ça peut être du concret dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, voilà. Le terre à terre, voilà. Alors que les deniers, c'est vraiment la notion de manque, ou d'argent, ou de. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Ça peut être le manque d'argent, hein, mais c'est toujours de matériel. Voilà. Et souvent, dans les déclinaisons, ce que j'ai vu, c'est que les épées sont souvent représentées par l'air, les coupes par l'eau, en fait, les bâtons par la terre, et les deniers par le feu, souvent. Dans les diverses. Souvent chez Dorine Virtue, mais après chez d'autres aussi, je sais plus. J'ai un exemple de tarot là, mais je sais plus. Souvent c'était représenté comme ça. C'est la reine. Moi je trouve qu'elle ressemble à un mec. Et ça, c'est le roi. Les deniers. Bon, on a été coupé, puis alors là, pas qu'un peu, hein, parce que là, mon téléphone s'est éteint et tout. Enfin bref. Voilà, donc je reprends où j'en étais. Donc on était au denier. Ils sont là, là, les deniers. Vais essayer de pas trop bouger, mais je commence à avoir le bras qui fatigue. Je trouve que dans ce jeu, les femmes ressemblent. Enfin, les reines ressemblent à des hommes. Parce que pas toutes les cartes. Hein. Le monde ressemble bien à une femme. La papesse aussi, elle ressemble bien à une femme. L'impératrice aussi. Mais c'est vrai que dans les cartes, les arcanes mineures, je trouve que les femmes ressemblent à des hommes. C'est mon opinion. En tout cas, ce jeu, je l'aime beaucoup. Je voulais vous le présenter depuis un moment. C'est vrai que je vous en parle depuis un moment. De mon fameux Rider-Waite que j'aime bien. Je m'en sers pas énormément parce que c'est encore bien, bien blanc. Hein. Je m'en sers pas énormément. Si je dois m'en servir peut-être dans le mois, peut-être une fois ou deux. Voilà, et ça fait. Celui-ci, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Un truc comme ça, mais je m'en sers pas. Voilà. Je m'en sers pour faire de temps en temps. Des tirages. Ouais, généralement, c'est 2 fois dans le mois parce que c'est une fois pour moi et une fois pour quelqu'un de mon entourage quand je fais un tirage pour le mois, justement, pour voir quelles sont les énergies qui vont m'accompagner durant le mois. Voilà. Donc, est-ce que je vous le conseille? Évidemment, parce que franchement, pour le prix, je trouve qu'il vaut le coup. Voilà. Si vous n'accrochez pas forcément avec le tarot de Marseille, vous pouvez peut-être accrocher avec celui-ci.
Voilà, après, je vous ai montré toutes les cartes. Donc, n'hésitez pas à mettre pause et à regarder les cartes si jamais elles vous parlent un peu plus. Voilà, de toute façon, c'est un bel objet de collection, je trouve. Il est vraiment bien fait. Le livre peut s'utiliser avec tous les autres tarots, y compris le tarot de Marseille, y compris le tarot des druides. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser avec le tarot des druides. Parce que j'avais envie d'utiliser le tarot des druides, mais que j'avais envie de pratiquer un tirage qu'il y avait dans le Rider-Waite, dans le livre du Rider-Waite. Et du coup, franchement, ouais, je vous incite vraiment, vraiment en fait, rien que pour le livre, ce coffret vaut le coup. Rien que pour le livre, ça vaut le coup parce qu'il est vraiment bien construit. Et voilà, moi j'adore ce livre, même de temps en temps, je vous dis, quand je tire un autre tarot, tarot des druides, tarot des anges, peu importe, et eh bien j'ai tendance à prendre ce livre. Si je ne devais choisir qu'un seul livret, sur tous les tarots que j'ai, quand même, j'ai le tarot égyptien, j'ai le tarot traditionnel, le tarot de Marseille, hein, j'ai le tarot des anges, tarot des druides, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai acheté plein de tarots là récemment, mais ils sont de l'autre côté, parce que c'est des tarots d'occasion et du coup je voudrais leur imprimer un petit peu ma patte avant de les mettre avec leurs copains. J'en ai acheté au moins une dizaine. Mais bon, j'ai eu une occasion. Voilà, aux Emmaüs, il y en avait plein, 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 et du coup j'ai fait mon choix et j'ai tout pris en fait. Ouais, c'est pas bien, je sais. Mais du coup, oui, je sais que je vais m'en servir avec tous les autres tarots de ce livre-là parce que c'est, pour moi, c'est une béquille qui, moi qui suis très habituée au Lenormand et qui, voilà, qui est habituée aussi avec ce Rider-Waite, voilà, je commence à bien. Tarot des druides, c'est même beaucoup plus facile. Mais lorsque j'ai envie d'un tirage, par exemple le tirage du corps, voilà, je ne l'ai pas vraiment pratiqué énormément de fois. Et ben, c'est une super béquille, franchement, ce livre, il est formidable. Et donc, je vous le recommande, ne serait-ce que pour ça. Voilà. Après, si vous aimez les cartes et l'univers qu'il y a dans ces cartes, tant mieux, moi j'aime ça. Mais rien que pour le livre, il vaut le coup. Voilà. Donc, je n'ai rien d'autre plus à dire, parce que je vais avoir un sacré montage à faire. Vu toutes les coupures, mais on se retrouve bientôt pour une vidéo, mes lectures, et puis bien sûr pour le live sur les cartes du Lenormand. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut!